9. Je pourrais même dire à mon ex que c'est une bonne personne. Mais non. Je sors les armes, levez vos bras. Tout le monde à terre, donnez ma cam, faites la montée. Gardez votre calme, tout va bien se passer. Mais pas de faux pas. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Installez-vous confortablement, on est parti pour une toute nouvelle vidéo sur American Truck Simulator. Très content de vous retrouver, merci pour vos retours sur la dernière vidéo. On va parler de réalité virtuelle, on va parler de nouveau de L7C Fox et de My Goodness en particulier. Mais d'abord on va aller chercher notre livraison. On va aller chercher notre cargaison, hop on rentre dans le camion. Hop, je la fais un petit peu à la L7C Fox. Tac, on est parti, il est 7h du matin les amis, il est très très tôt, donc autant vous dire qu'on a toute la journée devant nous. Et ça les gars, ça fait plaisir. Voilà, j'avais peur, vous avez vu j'ai tourné ma tête encore, hein. J'ai toujours l'habitude du track hier. Voilà, j'ai cru que ça allait rentrer, voilà. Mais tout va bien, tout va très bien, on est parti, nous sommes, alors oui, nous sommes à Spokane. Je vais vous montrer la carte juste après, évidemment, où nous sommes. Je vais tout vous montrer, qu'est-ce qu'on transporte, où est-ce qu'on va, etc, etc. On se prend déjà le premier feu rouge. Mais donc là il est 7h du matin, donc on a toute la journée devant nous et c'est un grand plaisir. J'ai de nouveau changé l'angle de vue de la caméra. Donc là je l'ai mis dans le à l'endroit. Donc c'est à dire vous me voyez à l'endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis en bas à gauche. Dans la dernière vidéo j'étais en bas à droite et du coup la caméra était inversée. Bref, c'est les petits détails, c'est les petits détails. Pour ce qui est de mon décor, ça avance. Et d'ailleurs du coup prochaine vidéo en théorie tout sera fini. Donc éclairage, lumière, décor, tout va être trop trop bien. Voilà, j'ai trop trop hâte les gars. J'attends encore une livraison qui va arriver aujourd'hui. Peut-être même en pleine vidéo, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui on va bien rouler. Aujourd'hui on va bien rouler, c'est un bon dimanche de prévu. Un bon dimanche de prévu dimanche à Bamako. En tout cas voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que vous passez un bon dimanche. Et surtout n'oubliez pas le pouce bleu bien évidemment. Oh ça c'est gentil. Merci. Merci de me laisser passer. Alors je suis content de vos retours évidemment concernant le track hier. Voilà, évidemment c'est quand même sympa de ne plus l'avoir, voilà, dans tous les cas. J'ai essayé American Truck en réalité virtuelle et c'est pas faute d'avoir essayé, je l'ai là. Et pour de vrai... Hop là, le trottoir c'est pour Bibi. Hein. Je me suis pas énervé, hein, je vous rassure. Parce que moi, la réalité virtuelle, c'est quand même quelque chose que, bah, que j'aime bien. Et là, j'avais le temps devant moi. Donc, j'ai essayé American Truck en réalité virtuelle. Alors, petite parenthèse aussi, Euro Truck, ça refonctionne, hein, la réalité virtuelle. Hein. Je vais pas vous mentir que c'était un petit peu de ma faute si ça marchait pas. Et vous aviez raison en commentaire, je vais pas y revenir parce que c'est trop complexe. En vrai, la réalité virtuelle, c'est ultra complexe. Mais donc, ça fonctionne. Mais American Truck, ça ne fonctionne pas. alors, le jeu se lance, etc. Mais en fait, c'est le profil, il plante. Il plante tout seul quand je lance le jeu. Voilà, donc c'est pas un problème avec la VR en soi, mais c'est la compatibilité. Franchement, les gars, je vous le dis, hein, Euro Truck et American Truck, à la base, ça n'a pas été fait pour la VR. Donc c'est tout à fait normal. Voilà, sachez-le. Mais du coup, on va dire que tout fonctionne. Mais malheureusement, je peux pas aller sur ce profil avec la réalité virtuelle. Il y a tout qui plante. Peut-être que c'est trop gourmand, j'en ai pas la moindre idée. Mais donc voilà, pas de quoi s'énerver, les amis, puisque de toute façon, ben, il n'y a pas d'autres problèmes en soi. Et on est très bien comme ça, voilà, pouvoir bouger la vue à l'ancienne, c'est toujours, toujours sympa. Aujourd'hui on va faire un défi, oui on va faire un défi aussi très important, vous avez été très nombreux à me le proposer, c'est de rouler sans le GPS. Alors là j'ai le GPS pour aller chercher ma cargaison. Messieurs, dames, ce serait sympa de collaborer avec moi. Merci, donc là on va au cœur d'haleine. Et après, une fois qu'on aura la cargaison, on enlèvera le GPS, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie les amis, je sais pas comment on va faire, ça va être rigolo. Enfin... on va suivre les panneaux. C'est un défi que vous m'avez proposé dès le début. Et vous avez été très nombreux à me le proposer. C'est un très bon défi. Voilà, je vous le dis, j'adore ce défi. Et ça va être très 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 amusant. Je pense. J'espère juste qu'on va pas se foirer. Ce serait un petit peu dommage. Voilà, ce serait un petit peu dommage. On est bientôt arrivé à la cargaison. Hein. Là, c'était les feux rouges qui ont pris un petit peu de temps. Tac. Là, on prend juste le périphérique. Et on va ressortir Broadway Ave. Voilà. Et je vais vous montrer sur la carte où nous sommes. Alors les amis, donc j'ai pu regarder la vidéo d'L7C Fox, la deuxième partie de notre convoi. Franchement, c'était trop bien. Donc ceux qui l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à les regarder. C'était juste génial. Et là, je vous le dis à l'avance, mais je ne l'ai pas encore vu au moment où je tourne cette vidéo. Mais aujourd'hui, au moment où la vidéo sort, eh bien la partie de My Godness est disponible sur sa chaîne YouTube. C'est sorti donc, ça sort dimanche 10h. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse sa dernière partie qui était phénoménale également et en plus en 4K chez lui, donc attention ça rigole pas. Bref, que du bonheur, que du bonheur. Et moi j'ai hâte d'aller regarder évidemment sa partie. Et c'est vrai, ça remémore vraiment les bons souvenirs. J'avais zappé hein, mais quand j'ai regardé la vidéo de L7C Fox, j'avais oublié que j'étais aussi drôle. Non je rigole, mais j'avais oublié voilà qu'on a passé enfin c'est pas que j'avais oublié qu'on a passé un très bon moment,
Mais ça m'a, ça m'a permis de les revivre d'une façon extérieure. Et en plus avec ses montages et tout, c'est juste trop drôle. Donc franchement, et puis de voir L7C Fox et Miss en vrai, parce que du coup quand on a roulé et qu'on a rigolé, moi je les ai pas vus en vrai à ce moment là Et donc là les voir en facecam, c'est juste trop marrant. Donc voilà, super sympa. Si vous voulez un burger, par ici. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit hein. Hop, allez on est parti. Dernière ligne droite, les feux rouges ça commence à me pomper l'air. J'imagine que vous aussi là. Franchement, les feux rouges, pompi pompelop quoi, hein. Commence à bien faire. Voilà, donc ça fait plaisir. Bah vous savez quoi les amis, en attendant qu'on cherche la livraison, parce qu'après on aura de quoi bien découvrir et bien regarder, parce qu'on va prendre une route qu'on n'a jamais pris et on va partir très très loin. Très très loin d'ici en tout cas. Mais là je vais juste parler de mon projet personnel. Ceux qui ont écouté mon album, je vais vous saouler juste une minute. Metaverse, ceux qui ont écouté mon album, merci beaucoup. Voilà, je vous ai déjà remercié et je veux pas trop en faire, et encore moins sur les vidéos American Truck, parce que bon, la plupart je pense que vous en foutez un petit peu. Mais ceux qui ont regardé mon album, écouté mon album pardon, si vous avez des questions concernant mon album, donc des questions générales, des questions complexes, des questions n'importe quoi, précises ou pas précises, sur une chanson en particulier, sur plusieurs chansons, des... Voilà, si vous avez des questions les gars, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou m'écrire sur Discord ou en message privé ou n'importe quoi, peu importe, vous me posez vos questions et moi je pense que je ferai une vidéo dans les prochains temps, justement avec le nouveau décor. Je ferai une vidéo où on en parlera, où je répondrai à vos questions, où je vous expliquerai un petit peu le projet, d'où il est né, comment il s'est fait, parce que c'est vrai que du coup j'ai été un petit peu mystérieux à ce niveau-là. Voilà, donc comme ça je pourrais répondre un petit peu à vos questions et mettre les points sur les i également pour certaines personnes qui ne me parlent plus depuis un petit moment. Voilà, donc à toutes ces personnes qui m'ignorent depuis un petit moment, je vais pouvoir un peu remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, ça risque d'être bien sympa. J'ai eu un petit coup de chaud, j'ai eu un petit coup de sang là. Au bout de 6 minutes de vidéo, le mec il se lâche. Non non, en tout cas voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et ce sera très bien. J'ai roulé en off aussi, j'ai roulé un petit peu en off. Je pourrais vous montrer, j'ai fait 2 trajets. J'ai fait un convoi exceptionnel et une petite route normale. Voilà, comme ça vous le savez. Donc j'ai un petit peu plus d'argent de nouveau, j'en ai, regardez. J'ai combien d'argent? 42 000 $. Voilà, donc pas que vous dites comment ça se fait que ça a grimpé d'un coup. Voilà, j'ai juste fait 2 petites livraisons. Tranquillou bilou. Et puis voilà. Et en vrai c'est à côté mais c'est long hein. Punaise, qu'est-ce que c'est long ces routes là avec ces feux rouges. C'est les feux rouges qui sont longs hein. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Moi je pensais bien faire à vous faire la vidéo ici, mais si j'avais su j'aurais commencé directement là-bas. Bon écoutez, ça fait plus de temps avec vous, plus de temps ensemble. Même si dans tous les cas on va vraiment bien rouler. Je vais avoir un coup de chaud, je vais doubler tout le monde hein. Je vais avoir un coup de chaud frérot. Sauf que là je sais pas où je dois aller. Je dois aller où là? Je dois aller à droite, oui voilà. On est arrivé. On est arrivé. Eh hey, à droite, on a le droit de tourner au feu rouge, les gars. Donc, j'espère que vous tournez à droite, hein, messieurs, dames. Il y a intérêt à ce que vous tournez à droite, hein. Oh, évidemment, personne tourne à droite. Oh. Ah, c'est bon, le feu est vert. Oh là, magnifique. Allez, on va pouvoir chercher. Eh, hey, si ça se trouve, la mission, elle est expirée, frérot. Non, on manquerait plus que ça. Eh, hey, arrête, hein. Si la mission est expirée. J'ai pas fait attention, je vais pas vous mentir. Et là, je vais à gauche. Et là, frérot, vous me laissez passer, j'en ai rien à péter, hein. J'en ai rien à péter, vous me laissez passer hein les gars. Vous avez pas à vous engager comme ça en fait hein. Y a pas à s'engager comme ça hein. Vous êtes débiles. Vous êtes débiles, on se met pas là ici. On laisse un espace. Voilà, merci monsieur. Il reste encore des gens bien ici hein. Ah là là. Bon maintenant on va prier pour que la mission soit encore dispo. Parce que sinon on a bien l'air con. Offre de traction. C'est bon, donc on transporte de l'emballage et regardez, voilà, on va dans l'Idaho, puisque c'est bien beau, on n'a pas beaucoup visité l'Oregon encore, Washington on a bien visité mais il y a des routes qui nous restent encore, mais là maintenant on va s'attaquer à l'Idaho et on va aller à Twin Falls sans GPS. C'est pas une mission qui rapporte énormément en termes de prix kilométrique et c'est pour ça que, et tant mieux, j'aime beaucoup rouler en off hein, pour avoir un peu d'argent parce que, voilà, moi j'essaye de faire des trajets intéressants en vidéo et le trajet a l'air intéressant, donc on part de Spokane pour aller à Twin Falls. Juste, je vais essayer de retenir. On passe par Lewiston, Grangeville, Boise, Twin Falls. Si je suis en panique, j'ai le droit d'ouvrir la carte, mais pour m'aider comme si j'avais une carte, un plan. Mais par contre, le GPS interdit. Ok, on part là-dessus. On va y aller. Ça risque d'être assez folklorique. Hop. Je suis là, messieurs, dames. Salut les collègues. Alors attendez, je sens que ça pue la merde encore là, le truc qu'on va... Ah non c'est bon, ah oula. Ah mais tu veux pas... Vous pouvez pas me le dire plus tôt qu'il fallait venir... Oh là là, ils sont chiants. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants.
Il fallait me prévenir plus tôt aussi. Bon, du coup, je vais devoir faire un truc débile, mais bon. J'ai pas le choix. Hein. Si on m'avait prévenu à l'avance aussi. Eh les gars, c'est comme dans la vraie vie. Si on m'avait prévenu à l'avance, on en serait pas là. Voilà. Tac. Bam. Dans la benne. Pas du tout. Regardez, je suis un expert maintenant. D'autant plus que je joue avec la souris. Oh putain. Hop. Enfin, que je joue avec la souris pour bouger la vue, hein, bien évidemment. Et voilà. Attends, recule encore un peu. Voilà. On est pas mal là. On est pas mal. Hop, ça c'est fait. On va pouvoir partir. J'ouvre la carte. J'ouvre la carte. Lewiston, Grangeville, Boise, Twin Falls. Écoutez-moi bien, je ne vais jamais retenir. Et d'ailleurs, ça m'embête parce que j'aurais bien voulu. Il y a plein de points d'interrogation en fait. Et du coup, je vais les rater. Bon, c'est pas grave. Je vous montre. On va partir, les gars, au bout de 10 minutes. N'oubliez pas le pouce bleu. Juste, je vous montre parce que, les gars, résumé progression. Voilà, la dernière vidéo, c'était les voitures Tesla. Et donc, ça, j'ai fait en off. Et ça, j'ai fait en off. Voilà, comme ça, vous voyez. Et on va être au niveau 9 à la fin de cette livraison. Allez, le GPS, vous le voyez ? Vous le voyez plus. Je sais déjà plus où je dois aller. Je sais qu'il y a Boise. Et qu'on va. Et ça, j'ai le droit de faire. Non, là, je vois le GPS. On va à Twin Falls. Voilà. C'est juste ça, ce dont j'ai le droit de savoir. Twin Falls. Et on passe par Boise. Oh, et bah, avec ça, les gars, ça me stresse. Je pensais pas déjà que je stresserais autant. Mais c'est vrai que là, je sais déjà pas où aller. En vrai, c'est un peu de la triche parce que je sais que je dois sortir à droite. Mais après ça, les gars, je sais pas où je dois aller. Hein. On va voir si c'est réalisable. Par contre, si c'est pas réalisable, les gars, évidemment qu'on va sortir le GPS. Hein, parce que je vais pas... hein, les gars, vous doutez bien, à un moment donné, il faut quand même aller à quelque part. Je peux pas rester arrêté à rien faire. Alors, ça va être terrible. Heureusement, j'ai une remorque traditionnelle. Alors, voilà, on va bien faire chier tout le monde parce que là, ils sont débiles. Hein. On fait pas ça, on s'arrête pas devant. Les pointillés, vous savez que c'est, ça sert à quelque chose. Mais regardez-moi, c'est débile. Bah du coup c'est moi qui vais vous bloquer hein. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est bon, lui il me laisse passer. Merci hein, connard. Alors j'ai le feu rouge donc ça va me laisser le temps de savoir où aller. Parce que forcément. Bah on rigole mais il n'y a pas de panneau en fait donc Bah ouais mais frérot mais s'il n'y a pas de panneau là. Alors par contre s'il n'y a pas de panneau j'ai pas le choix de. Qu'est-ce qu'il y a? Infraction au feu tricolore. Mais va te faire foutre infraction au feu tricolore. Bah du coup je vais. Hey, je vais cramer le feu rouge. T'as cru que j'allais attendre alors que je. Ok, faut aller à gauche. Faut aller à gauche. Là je regarde le GPS hein, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de panneau, donc très bizarre. Hop. Voilà. Infraction au feu tricolore. Non mais il se fout de ma gueule quand même. C'est quand même du beau foutage de gueule. Hein. Bon on est parti. On est parti. Donc voilà, vous l'aurez compris, à chaque intersection, s'il n'y a pas de panneau, si je ne sais pas où aller. Eh, hey, je vais pas faire 32, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut bien que je regarde. Voilà. Bah là, du coup, je vais dire que je continue tout droit. À tous les coups, il fallait tourner à droite. Non, c'est un cul-de-sac. On est parti. Du coup, j'ai pas les limitations de vitesse non plus. Alors ça, et franchement, ça va nous pénaliser à tout point. C'est le pire défi que vous m'avez donné, hein, les gars. C'est le pire défi que vous m'ayez donné. Le feu rouge qui nous arrive. Le feu rouge qui nous arrive, je ne sais absolument pas. On va doubler tout le monde et on va aller tout droit. On va aller tout droit. Oh Harley Davidson! Oh là 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 là! Oh frérot! Magnifique! Magnifique! Attendez. Cœur d'Allen, Spokane. Je sais pas où je dois aller. Ok, j'ai bien fait. Faut aller à gauche. Cœur de machin. Bah ouais, mais frérot. Hop. Alors attendez, on va s'arrêter au feu. Donc là, faut aller à gauche. Je vais me prendre des notes. Hein. Cœur d'Allen. Bon, ça maintenant, on sait. J'ai pas besoin de noter, d'accord? Il faut qu'on se prenne des notes, sinon on va jamais y arriver. Lewiston. Attendez. Il me faut un papier. Ok, attendez. On va faire. Et c'est du direct. Hop. Enfin, c'est du direct, on s'est compris. Non, non, parce que c'est bien beau, mais frère, sans GPS, voilà, il faut quand même savoir où on va. Donc, Lewiston. Déjà ça ce sera dur parce que les gars les panneaux ils sont trop bizarres chez eux. Grangeville. Ok. Ensuite on continue. Baise. Boise. Boise Nampa on va dire. Boise slash Nampa.
Et enfin, c'est Twin Falls hein, qu'il faut aller. Hein. Twin Falls, ça, une fois qu'on sera là-bas, les gars, je saurais même pas où aller. Hein. Donc, attendez, Twin Falls, c'est quoi l'entreprise ? L'entreprise, c'est UPS. Voilà. Et je mets UPS. Comme ça, on essaye de trouver... Voilà, on va essayer de trouver UPS sans le GPS. Donc, voilà, je respecte le défi, les gars. Hein. Et que personne me dise que c'était pas comme ça que vous le voyez. Hein. Faut pas exagérer des bonnes choses, messieurs, dames. Non, non, je refuse. Je refuse. Alors, où c'est que je vais pouvoir mettre ça ? Je vais pouvoir mettre ça là. Tac. Voilà. Comme ça je vois le papier et on se fait pas arnaquer. Tac. Bon bah ça c'est fait. Les feux rouges toujours aussi longs. Et puis voilà, j'espère que vous êtes posés. Franchement, une très belle semaine. Je sais pas. Je pense que dans toute la France c'était une belle semaine. Mais les gars, on a passé en tout cas une semaine de folie là. Ciel bleu, soleil, très chouette température. Du lundi au dimanche. Et je crois que les températures là ça va un petit peu redescendre de ouf et il va ouais je pense que là ça va être là vous voyez ce week-end on a pu manger dehors et là je pense que la semaine prochaine ça va être un petit peu plus compliqué mais bon après ça va de nouveau être le GPS j'ai oublié d'enlever le GPS je pense qu'après ça va être une semaine après il fera de nouveau beau et chaud ça reste le printemps et le printemps qui est à 70% sec et chaud hein, de ce que j'ai vu de Météo France bref donc voilà franchement j'espère que vous avez bien profité. Welcome to Idaho. Oh yeah. Donc là c'est la première fois qu'on arrive ici hein, par contre hein. Du coup là c'est la première fois que je suis dans l'Idaho. Et ça c'est ultra stylé. Et non pas dans le lit de Dao. Attention tout de même. Voilà donc là attendez. City Center. Moi je m'en fous je vais aller à Lewiston. Oh, ça va trop vite les panneaux. Il faut que j'aille à Lewiston donc je vais à gauche. Beaucoup trop tard. C'est bon il me laisse passer merci beaucoup. Oh la vache. Là, je vais suivre mon instinct tant que je suis confiant comme ça, je regarde pas le GPS. Si ça se trouve, c'était pas là qu'il fallait aller, mais ça me paraît un peu débile. Je pense que c'est quand même ici qu'il faut aller. Voilà. Bah voilà, en tout cas, j'ai encore augmenté. Ouais, je fais que ça. Bah j'espère que ça vous plaît. Attendez. Lewiston. C'est là que je dois aller. Oh, la vache! Je suis désolé frérot. Bah ouais mais c'est pas là que je dois aller. Ah si c'est là Lewiston. Oh la vache. Et après Grangeville. Bah ouais mais non c'est débile je suis sûr que je devais Canada Lewiston. Non bah je vais à droite. Alors là les gars, pour le moment je regarde pas le GPS et je sens que c'est une grosse connerie qu'on est en train de faire. En tout cas j'ai failli tout foutre en l'air. J'ai pas fait d'accident du coup en remarque hein. Cœur d'haleine découverte. Ok donc c'est bon. Cœur d'haleine et après il faut aller dans Lewiston. C'est très beau hein. Très très beau. Bah je vais continuer tout droit si personne me dit rien. Du coup je sais plus ce dont on parlait. Je sais plus du tout ce qu'on disait, voilà. Ah oui, que j'ai augmenté de nouveau les graphismes, comme vous me l'aviez demandé par rapport à la végétation. Alors c'est des trucs qui font perdre des FPS pour rien. Je trouve que c'est des détails nuls, mais j'ai un petit peu augmenté la végétation, mais j'ai pas mis au maximum parce que franchement ça sert à rien. Franchement ça sert à rien. Ok. Ok, ok, bah je vais continuer par là. Je suis en stress hein, total, hein. Parce que si c'est pas là... Ah et puis je tourne la tête encore. Ah là là. Le tracker il va prendre du temps à partir c'est d'habitude hein. Lee Conway, True Traffic. C'est absolument pas là où je dois aller hein. Eh les gars c'est absolument pas là que je dois aller hein. City Center, le centre-ville. Regardez là j'ouvre le GPS. Attendez, laissez-moi juste qu'on rigole hein. Je viens de là, je suis sorti là. Hein ? En fait, je devais déjà sortir ici, les gars. Il y avait déjà une sortie que je devais faire. Là, je viens de contourner. Ah ouais, non, mais c'est crétin. C'est ridicule de ouf, hein. Oh ! Ok, bon, là, du coup, je vais continuer, mais en tournant à droite. C'est ridicule. Oh la vache. Mais oui, et surtout que sans GPS, les gars, sachant que j'ai plus les barrières, là, j'aurais pu aller tout droit. Et sans le savoir. Ah ouais, non, mais là, les gars, on se met dans une sauce, hein. On se met dans une sauce, hein. Vous avez vu, j'essaie de jouer le jeu au maximum, mais ça a ses limites, hein, parce que... Frère, à tout moment, on peut prendre des routes qui n'existent pas sans le savoir. Et je pense que
Spokane, je dois aller à droite là? Non mais je dois aller à droite là? Mais non, je dois pas aller à droite, il me dit d'aller tout droit. Mais frère, si je serais allé à droite, il m'aurait mis là. Et je serais allé là. Mais attendez, c'est ridicule puisque Spokane c'est en bas. Ah mais non, on va aller Houston. Oh. Et là, je vous vois venir dans les commentaires à faire des vannes en disant « Oh là là, Mkolo, j'aimerais pas être son compagnon de route, nani nanana. » Oh les gars, chez nous, les panneaux, ils sont pas comme ça. Oh la vache. Tout droit. Lewiston. Ok. En tout cas, très joli. Très 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 joli hein. Ah j'aime bien. Ah ça j'aime bien, on passe la frontière là. C'est bien. Ça me plaît pas mal. Bon, et c'est pareil là, vous m'avez redit des défis, bah vas-y refais événement routier aléatoire sur tel trajet. Non, on refait plus ça les gars, on refait plus. Ça s'est fait dans la dernière vidéo, voilà. C'est comme le GPS, ça on le refera plus les gars. C'est mort. Ça commence déjà incroyablement bien. Faut qu'on en profite aujourd'hui. Oh c'est beau. Lewiston, on est sur la bonne route. On est sur la bonne route. Ça c'est déjà pas mal. Trop bien. Et franchement, et les gars, du coup, L7C Fox et My Godness, avec grand plaisir, on refera des convois. Et du coup, on en a parlé un petit peu entre temps. Clairement, American Truck, les gars, hein, ça va être la suite logique. Hein. American Truck, alors du coup, ce sera pas Grand Utopia, mais voilà. Parce qu'il joue beaucoup à ATS, My Godness. L7C Fox, il y avait déjà pensé. Et Miss lui en avait déjà parlé. Et Miss qui apparemment donc roule déjà sur ATS. Enfin, si j'ai bien compris, hein, je vais peut-être dire des conneries. Mais ce qu'il a dit, on pourrait rouler à 4. Je suis en train de spoiler un truc. Hein. Je suis en train de spoiler. Je suis le pire gars, mais c'est pas grave. Enfin, bref, dans tous les cas, ATS, hein, prochain convoi, les gars. Aucun souci à ce niveau-là. Hein. Franchement, au top. Hein. Et là, ouh. Ah, ça me plaît, ça. Watch for truck. T'inquiète, je suis un truck moi-même. Très joli. Ouh. Eh, là, on se croirait sur MyGotopia, dis donc. Les petits rochers comme ça, les. Enfin, les gros rochers, finalement, que dis-je. On va peut-être ralentir parce que j'ai l'impression qu'ici ça roule pas. Oh là, je sais pas c'est quoi la limitation. Mais moi, la limitation. Dans le fiong. Salatata. C'est bien parce que je me laisse vraiment. Asperger par le paysage. Et bon, ça va, il n'y a pas de carrefour. Mais ça se trouve, il y a un petit carrefour que je vais zapper. Dans lequel il faudra que je tourne. Et j'aurais même pas fait attention. Bon, ça va, ce qu'on transporte, c'est de l'emballage. Rien de bien. Enfin, si, c'est pressant en soi, mais c'est pas. On va pas se prendre la tête. On a toute la journée devant nous. Comme dit, on a commencé très tôt. Donc, ça va nous laisser l'occasion de terminer tard s'il le faut. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah, c'est juste une forêt, c'est ça? Je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'était. Un parc peut-être? Un parc de forêt? J'aime bien. Et moi j'aime trop là, les photos là-haut là. Franchement hein. C'est trop bien. Je pense que je vais refaire bah après de toute façon quand on aura d'autres camions avec une couchette derrière, on aura plus de customisation etc. Bon là on n'y est pas encore hein. Mais je pense que je referai des customisations et je mettrai des cadres Far Cry 3 carrément pour le clin d'œil parce que Far Cry 3 maintenant là c'est pépite. Troisième épisode qui sort aujourd'hui aussi. Franchement les gars, si vous n'avez pas encore franchi le cap de regarder, faut y aller. Franchement faut y aller. Hop, la petite montée qui me laisse le temps de boire ma gourde, un petit peu de vin chaud, toujours sympa. C'est pas du vin chaud les gars, c'est une blague. Hein. Voilà, ça broute, hein. Ça broute. Qu'avons-nous là? Un bâtiment perdu au milieu de nulle part. On n'en saura pas plus. Un restaurant, je pense.
C'est un restaurant. Totalement un restaurant. Ok, c'est rouge, il faut que je m'arrête. Ok, il faut que je m'arrête. J'ai paniqué, hein. J'ai paniqué. C'est par ici. Oh là 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 là, on a un petit... Eh, franchement, la petite pesée avec une petite vue sympathique quand même. Ça fait toujours plaisir. Je suis là, messieurs, dames. C'est par où? C'est par ici? C'est par ici. Hop là. Prend 30 ans à repartir, lui. Alors, on est... Alors du coup, c'est bon, le voyant est vert. Je peux repartir, on sait pas combien on pèse, on va pas regarder parce que sinon on verra le GPS. Et là le but du jeu c'est qu'on regarde pas le GPS, sauf si on panique. Donc, et là je panique pas. Je paniquais d'ailleurs, je paniquais depuis un an. Oh oui, écoutez-moi ce bruit de ralentissement là. Ah, oh, j'adore. Je roule un peu vite, hein, je le conçois parfaitement. Hop. On en profite dans les descentes. Voilà, comme ça on gratte un petit peu tout le temps qu'on a perdu. Oh là, faut peut-être regarder les panneaux. Oui, il y a la police. Il faut que j'aille à Lewiston. Boise. Boise, non, il faut que j'aille Boise. Donc je vais continuer ici. Je sais pas si c'est une erreur, mais je vais continuer direction Boise parce que c'est le village, la ville d'après. Je pense que c'est une bonne idée. Ce qui est bien, comme on n'a jamais pris ces routes, c'est qu'on pourra voir s'il fallait vraiment... Si on a bien fait. Parce que comme les routes qu'on prend seront marquées d'une couleur différente, vous voyez ce que je veux dire, bah on pourra voir les détours qu'on a fait. Ou alors justement si on a pris le chemin le plus direct. Et ça c'est sympa. Même si je pense que là j'ai fait le bon choix évidemment. Là on va sur Boise. Alors attends, parce que là c'est quoi ce truc de merde? C'est complètement débile leur façon de faire. Moi je fais comment pour passer devant la voiture? C'est complètement débile. Bon, allez, va te faire foutre, toi. Hop, tu m'as saoulé. On va continuer tout droit. Hein. Quoi? Il faut que je m'arrête encore? What? Mais pourquoi on roule à gauche ici? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Pourquoi tout le monde roule à gauche? Attends, mais c'est ridicule. Ah non, c'est comme sur GTA, l'autoroute, là. Ok, c'est passé au vert. Très bizarre, hein. Très bizarre. Je comprends pas. Donc on roule à gauche et on se fait doubler à droite. Je pense pas, hein. Ça me paraît... Mais regardez, je m'insère à gauche. Mais qui est-ce? Ça va faire boum, là. Voilà. Ni vu ni connu. Oh là là, c'est beau, regardez le mont Chiliad. Sympa, on va regarder les panneaux malheureusement. Boise. Je sors. Je sors. Je prends la décision de sortir. Oh, si c'est pas ça, frérot. Ah, oh, si c'est ça. C'est forcément ça. Eh, tu t'arrêtes, hein. Oh, c'est beau. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se faire une miniature? Et voilà, messieurs, dames. Allô? Voilà. Cru que ça marchait plus. Ah, là on est bien. Dans l'Idaho. Alors franchement, bon, pour le moment, en fait, c'est sympa. Je pense que c'est chill, c'est relax. En vrai, tu te détends. Oh, je pense que j'ai raté quelque chose là. Il y avait une petite mascotte ou je sais pas quoi. Mais en vrai, c'est ultra pauvre, je trouve. En vidéo, je trouve que c'est moins fun. Là, tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire que c'est très joli. Et je pense que du coup, il y aura eu pas mal. Bah, il y aura eu quelques coupures. Mais en fait il se passe rien et tu chilles juste. Alors ça c'est parfait, tu vois, quand je roule en off par exemple. Voilà, quand tu roules pour toi-même, pour le plaisir, c'est trop bien. Mais quand tu fais des vidéos, un petit peu plus chiant. Voilà, un petit peu plus chiant, donc ça risque d'être un petit peu terrible. A voir, comme dit, bah franchement je vais refaire des lives, hein. De toute façon dès que le décor est bon là. En vrai, je promets rien, parce que j'en ai marre de promettre dans le vent. Mais semaine prochaine là, je devrais faire pas mal de lives, peut-être 2-3 lives sur American Truck. Ça peut être cool. Et à ce moment-là, il y aura peut-être moins de vidéos sur American Truck. Peut-être qu'il n'y aura même pas de vidéos et il y aura que des lives et des rediffusions. On verra. On verra, on verra. Et en plus, ça roule pas, frérot. C'est terrible. Interstates. Interstates. Mmh.
450 mètres. 45e parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai reçu un achievement Steam. On est où là? Alors, welcome to the new Meadow Center of Idaho. On est au centre d'Idaho, c'est ça? Ah, ok. Attendez, l'essence, on en est où là? Où c'est qu'on voit l'essence? Ah là. Ok, c'est bon. Faut aller où là? J'ai pas vu les panneaux. J'ai pas vu les panneaux. Mais tu vois, regardez les. Là, si t'as pas de GPS, tu peux pas faire sans GPS. C'est un très très long trajet. Hein. Oh, je suis au bout de ma vie. Hein. Alors là, les amis, on a une cinématique. Et ça, franchement, je l'aurais pas vu s'il y avait pas le GPS. Et ça aurait été fort dommage. Donc le défi du GPS, en vrai, c'est fun, c'est marrant. Ouah, c'est stylé. Mais le problème, c'est qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et là, le fait d'avoir gardé le GPS, et ben, je suis assez content parce que là, on va avoir une très, 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 très belle cinématique au vu de ce que je viens de voir juste avant. Je pense qu'on va voir des très, très, très jolies choses. C'est juste trop bien. Donc je suis très content. Hop, on se pose ici un instant et on se régale. McCall welcomes you, la ville de McCall, évidemment, avec un nouvel achievement que je viens de recevoir. Je pense qu'on va voir après le petit lac. J'espère qu'on verra le petit lac parce qu'il est ultra stylé. Oh, du steak, trop bien. Yes, voilà, les gars, franchement, matez-moi ça. J'enlève ma caméra pour que vous voyez parce que c'est juste... Oh, c'est magnifique. Super sympa. La petite ville que j'ai traversée. Ah, ils se sont pris en photo juste en haut là, du balcon, j'ai vu. Manchester Ice and Event. C'est dommage là, j'aurais aimé voir plus de lacs là. Plus du lac. Ça va pas durer longtemps le... La cinématique sur le lac. Fort dommage. Ouh. Très bien. Ok, c'est déjà fini, je suis un petit peu triste. Bon, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Eh, on peut pas tout avoir non plus. Je pense... que je vais faire le plein. Pour être tranquille, je vais faire le plein, les amis, parce que ça va assez vite là niveau essence et ce serait dommage de se retrouver dans le zbeul. J'hésitais entre les deux Voilà. Gasoil plein. Prix du gasoil 3,84$. Je sais pas à quoi ça correspond. C'est un peu beaucoup. Ah mais c'est du dollar aussi. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ok, ça c'est fait. Hop, merci beaucoup. Bam. Tac. Et voilà toc, on est full. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Au moins on est tranquille. Hop. Et on est tipar. On est tipar. Non mais frère, toujours plus. Mais je suis bloqué pourquoi là? Ah, je suis bloqué à l'arrière. C'est complètement débile. Mais attendez, mais c'est complètement débile. Mais c'est complètement débile, est-ce que tu me racontes? Mais c'est complètement con. C'est-à-dire que je suis bloqué dans tous les cas, peu importe ce que je fais. Bah oui, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le cas où je fais ça, regarde. Si je fais ça, là. Ah, voilà. Oh, bordel. J'étais à deux doigts de faire péter la station, les gars. Bon. C'est pas tout ça. C'est pas tout ça. Mais moi j'aimerais y aller. Je te passe devant frérot. Hein. Tu m'excuseras. Désolé. Hein. C'est pas contre toi, tu le sais bien. On est carrément ensemble. Hein. Allez, bon courage. Hein. Hop. Ça c'est fait. Et on est reparti. Je vais réteindre le GPS bien évidemment. Tant pis si on passe à côté d'autres choses. Mais voilà. Route barrée ici, très bien. Ok, donc tout droit. On a toujours pas traversé Boise. Et on quitte la ville de McCall. Une ville très sympa en tout cas pour le coup. Hein. Franchement, ultra stylé. Pas déçu. Oh.
là là là, on est en Haute-Savoie ou quoi là? On se croirait en Haute-Savoie, dites-moi. Non, j'adore. J'adore, j'adore. Tac. Bon, vous savez quoi, les amis? En vrai, eh, comme ça, c'est de manière RP. Et parce que pour le coup, franchement, ça me... ce serait dommage de pas profiter. Ce serait dommage de pas profiter. Et là, je commence à en avoir un peu marre. Je pensais pas que le trajet serait aussi long. Et surtout, j'ai pas grand-chose à dire, malheureusement. Et donc, c'est dommage de... Ça y est, on arrive au parc de Boise. Regardez comme c'est magnifique. Ce serait dommage de pas en profiter à fond. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va faire une coupure. On va trouver un endroit où on va s'installer. Faire un campement. Non, on va s'arrêter à quelque part. Et je vous reprendrai pour la suite. Alors, soit en live, soit en vidéo. Si c'est un live, enfin, si je fais un live en premier, bah, ce sera donc en live la suite du trajet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'en arrêter là pour cette vidéo. On va se trouver un petit coin. En plus, c'est vachement sympa. Donc, j'espère qu'on va trouver un petit coin là dans les prochains. Dans les prochains endroits de la route. Et comme ça on s'arrêtera là. Et on terminera ça par la suite. Parce que ce serait vraiment dommage pour le coup de pas en profiter à fond. Pour ce qui est du défi du GPS, on va voir si on le continuera aussi ou pas. En tout cas bon, est un peu galère. On va pas se mentir, un petit peu galère. Donc voilà, bon là je pourrais m'arrêter en soi. Mais j'aimerais me trouver un petit coin sympa. Genre un petit parking ou quoi. Un endroit où je sais que je suis safe avec ma marchandise. Très 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 sympa cette rivière là qui suit. Oh, trop cool. J'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de plonger dedans. Voilà. Je vais m'arrêter et je vais plonger dedans. Tout simplement, comme ça j'en profiterai aussi. Ah là j'aurais pu m'arrêter mais c'est pas un parking. Ah, il y a une station. On arrive à une station de pesée alors. A tous les coups, ils voudront me peser. Mais moi, surtout, je vais pouvoir m'arrêter pour me garer. Et ça, c'est cool. Là, ça va biper dans quelques instants. C'est écrit quoi, là? Trucks over. Pas eu le temps de lire. Alors, dis-moi. J'espère que le voyant va être au vert. Dis-moi. Il est vert, c'est bon. Parfait. Donc je vais pouvoir m'arrêter tranquillement. Tout, 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 tout. Voilà les amis. C'est ici. Ah, c'est un petit peu moins joli, hein, c'est sûr. C'est ici qu'on va s'arrêter. Alors c'est peut-être pas le meilleur. Oh si, en vrai, c'est pas trop mal. Et de toute façon, si je dérange, ils me le diront. Hein. Ils me le diront si... Oh, des chevaux. Je vais me mettre ici, je fais chier personne. Paf. Et voilà. Sympa, en plus je pense qu'il y a moyen de se restaurer par là-bas. Donc c'est plutôt pas mal. On coupe le moteur. Bien sûr j'allais oublier le frein. Et on est pas mal. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, il faut que je me détende parce que c'est terrible. J'ai envie de profiter encore du soleil avant la semaine prochaine. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Malgré tout, pas mal de coupures évidemment parce que pas grand chose à dire. Mais donc au moins par la suite on pourra discuter ensemble, soit en live ou soit par rapport à la prochaine vidéo si on fait ça en vidéo et par rapport à vos commentaires, etc. Vos défis, etc. Donc voilà. A très vite, n'oubliez pas le like, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.